Coucou, c'est Astrid Nguyen. Rendez-vous pour mon interview. A tout de suite. Astrid, quel match de fou cet après-midi. Au final, un match nul. Comment est-ce que tu perçois ce match? Est-ce que c'est un nul qui a le goût de victoire, vu que vous avez couru derrière le score assez longtemps? Ou est-ce que c'est un nul au goût de défaite parce que vous n'arrivez pas à gagner? Franchement, pour moi, c'est un nul de victoire parce qu'on revient vraiment de loin. Tout le long, on s'est battu pour revenir. C'est pas facile, il y a eu beaucoup de physique. On a eu des déchets. On s'est accroché jusqu'à la fin. Donc vraiment, ça fait plaisir et ça montre qu'on est vraiment une équipe avec de la combativité. Un mot sur votre prestation de ce soir. C'est vrai que ça a été assez dur. Vous avez longtemps couru après le score. Qu'est-ce qui vous a gêné chez Eschberg et comment vous avez réussi à contrer tout ça à la fin? On n'a pas su les impacter. Donc il y a eu beaucoup de tirs de loin. Et on n'a pas trop aidé nos gardiennes, qu'elles étaient un peu en difficulté. Donc dès qu'on a su mettre plus de profondeur sur les tireuses, on a été meilleurs. Un petit mot sur la prestation de Théa aussi ce soir, qui vous a sorti 2-3 parades assez importantes. Théa, on est vraiment content de l'avoir parce que c'est une fille pleine de bonne humeur. Et en plus, sur le terrain, elle dégage aussi de l'énergie de sa façon. Et oui, elle a fait des arrêts importants, donc ça fait vraiment plaisir. Bon, on va pas t'embêter plus longtemps et on vous donne tous rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle rencontre de Ligue Butagaz Énergie contre Mérignac. À bientôt.